Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Primeria, la vraie saison 2 où on est avec Tantos, Flanou, Derking, Mirolam et Cardian. Là, vous les voyez tous faire un petit peu n'importe quoi parce que tout le monde est en train de faire son introduction du début. Ça fait une scène un peu n'importe quoi où il y a un gros silence complet alors que ça faisait que de gueuler dans les micros depuis tout à l'heure. Donc, on est reparti sur Primeria. Donc, pour l'instant, on est 6, sachant que certains youtubeurs vont forcément nous rejoindre au bout d'un moment au fur et à mesure de l'aventure. L'objectif, ça va être encore de se refaire un très grand village, tout ça, mais cette fois-ci en jouant beaucoup plus en collaboratif que dans la saison 1. On va essayer de changer, d'être toujours avec quelqu'un. Enfin, on fera aussi des épisodes solo, évidemment, mais on fera pas mal d'épisodes avec d'autres joueurs. Pour ce premier épisode, vu qu'on est tous les 6 connectés, ça fait mais un boucan de malades dans les micros. C'est absolument impossible de tourner tous les 6 ensemble sur le même channel vocal. Du coup, on va se mettre par deux groupes de 3, comme on avait fait en fait sur la première... Sur la première saison de Primeria, on avait commencé à 3, ça c'était plutôt bien fait. Des fois on se coupait un petit peu la parole, c'est le problème quand on est 3, mais au final c'était assez fluide et assez sympa. Donc on va pouvoir commencer maintenant, on va faire les équipes avec l'équipe de Primeria et on se retrouve pour le tournage. Voilà, là on est tous censés dire bonjour en même temps, c'est catastrophique. Ah d'accord, ok. Attends, on redit. On va refaire. Attends, on fait genre 3, 2, 1, bonsoir. Ah oui, voilà, bonsoir, fait 3, 2, 1. Ouais, allez-y, 3, attends. 2, 1. Attends, je fais les 3, 2, 1, je les couperai au montage. Ouais, moi non, moi je laisse, moi, je laisse tourner la vidéo. Alors, 3, 2, 1, bonsoir, ok. Ok, vas-y, on fait ça, sauf que... Ok. Ça marche, allez, let's go. 3, 2, 1... Bonjour! Oh, c'est excellent! Bravo! Yes. Excellente intro! Nickel, ouais. Très original! Oh, mon Dieu. Allez! Attends, moi, vas-y, moi. Je suis une planche. Alors, t'es une planche, alors, t'es une planche et un bâton. Attends, voilà. Fait, limite, je vais vous passer. Oh, c'est vous. Mais qui c'est qui tire pour toi? Vos items? Ouais! Voilà. Qui c'est qui tire pour moi? Bah, moi, je prendrai le dernier. Toi. Tantos, team bâton. Coup, alors... comment genre, t'as foutu ça dans les 4 premiers slots de ta hotbar ou on ouais. Un... Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, je... nickel. Moi, je suis team planche. Allez. Asphax, team planche, Tantos, team bâton. Excellent. Donc, vas-y, Cardian, t'es premier. Planche ou bâton, du coup? Planche ou bâton, mais 1, 2, 3, 4. Tu choisis. Allez, 3. 3. Ah! Il est planche. Team planche team avec planche. Moi yes. Cardian, team planche. Team planche. Quel mauvais choix, franchement. 1, 2... Il y a des montages un peu merdiques. Hein. Oh, le salaud. Moi, je dis... vas-y, 4. 4, tu es un bâton. Oh, team voilà, bâton ça, c'est un choix, ça. Ah non, Flanou. Non, mais... Rends le bâton. Rends le bâton. Pas avec Tantos, mais team pas avec Tantos, mais team pas avec... On va faire en fait, Darking, c'est la team Harry Potter. Ah, hey, oh. Je vous pète avec Tantos. Flanou, un ou deux. Un. Oh, team planche. GG. Bon bah super, très très bonne idée de tirage au sort, parfait. Ouais. Bon bah salut, hein, on se sépare parce que hein, donc, la team nickel, Tantos... Donc là, faites gaffe parce qu'on va vous lancer des sorts. Donc, ouais. Quoi? Tu vois, je... regarde ce team de sorciers là. Je te lance des planches à la goutte, tu y verras, ce sera pas mieux. Il commence à me taper lui. Eh, hey, c'est la révolte! En fight. Hey. Petit idiot là. Alors. Pourquoi je peux pas me faire mes. Ah, si c'est bon. Une petite pioche. Moi, j'ai une épée. Une petite épée, attends, c'est très bien. Ma table de craft, elle a redisparu. Ah, c'est les bugs visuels. Bon, bah, c'est bizarre. Non, je sais pas. Ou alors, tu peux pas non plus poser de bloc, peut-être. Ah, peut-être qu'il va falloir qu'on te mette hop. Ouais, non, non, c'est bon. C'est bon, en fait. Tranquille. Juste, je sais pas, là, du coup, je me retrouve avec 3. Ok. Donc, il Flanny est part... le spawn, hein, ouais, il est bien. Là, on est. Franchement, plutôt place. Pas mal, ouais. Donc, Flanny part à la chasse. Cardian, tu vas chercher du bois. Et j'essaye de choper du fer pour nous faire nos premiers outils. Vas-y, bah, y'a pas Allez. De soucis. Je prends quoi comme type de bois du coup? Je prends les 3 qu'on a dit là, ouais, bleu, chêne et spruce, ouais. Exactement, ce sera très bien pour commencer. Ok, bon, voilà. Parfait. On va peut-être pas en prendre des tonnes, juste ce qu'il faut, puis avec les saplings exactement. Pour faire pousser des arbres et tout. Parce que faut rester dans l'écologie, c'est la mode en ce moment, donc si tu commences dès le début... Faut repeupler c'est... l'Amazonie. Exactement. Et ça va être ça l'objectif de Primeria.
Il y aura des arbres partout, ce sera insupportable, on verra plus rien. Eh, hey, mais tu me donnes une idée, je te jure. Ah, tu vois, on peut pranker. Il y a pas de souci. Ah bah tant non, bien sûr. Tout, tant... Exactement. Ah, ah bah vas-y, oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une jungle, je sais pas, genre chez Darking, vu qu'il a pas arrêté de me... Ça, mais genre le machin ultra dense, tu sais, les biomes jungle sur Minecraft, ils sont assez ouais, denses. Tout à fait. Oh, y a des chevaux. Ah, bah j'ai un village. C'est vrai? Oh, ouais, y a deux villages, oh, chouette. Pas loin, normalement. Eh ben, j'ai un village. Ça. Et en plus de ça, moi, bah regarde, on a de la bouffe parce qu'il y a des ballots de paille là. Okay. Et il y a une forge ou pas dans le village? Justement, c'est ce que j'allais regarder. Ouais. Le truc, c'est que je sais pas trop à quoi il ressemble, le bâtiment du coup, avec les nouveaux villages. Le bibliothèque, c'est hyper important. Faut ah, bah. Le coffre avant les autres. Je viens de tomber sur Miro dans le village. Oh non, Miro, il a déjà tout volé. Faut quand même s'en méfier. Faut s'en méfier. Hein. Non seulement il dort quand il doit venir tourner. En plus, il vole tout quand il arrive. Et en plus, il vole tout. Franchement, faut vraiment voilà, s'en méfier. C'est non, catastrophique. Ce que je vous propose, là, du coup, vu que je suis dans le village, c'est que je rafle un peu les lits qu'il y a dans les maisons. Comme ça, ouais, on en a, puis on peut redéfinir moi, le point de spawn d'ailleurs. Il n'y a pas des bottes de paille ou des trucs de genre à piquer? Ouais, et les bibliothèques. Ouais, les bibliothèques, il n'y en a pas tout le temps. J'ai enfermé Miro dans sa baraque. Parfait. Nice. Voilà, bon, c'est bon, du coup, j'ai trois lits. Ok, très yeah, bien. J'ai pas mal de pommes, deux, trois, un peu de bouffe, là. Une sauvegarde, quoi. Yes. Déjà, j'ai déjà quatre... Enfin, j'ai faim, déjà. Ouais, j'arrive. Ouais, pareil. J'ai bah là, tu vois, dans le village, j'ai pas mal de bottes de foin, donc... j'ai trouvé un lac de lave. À côté, oh, de l'établi, à côté de l'établi, je mets un coffre dedans, je vous mets de la pierre, tout ça. Enfin, ouais, tout ce que. Ça va pas prendre du coup, Cardian. Vas-y, comment? Faudrait qu'on s'éloigne un peu. Ah vu ouais, d'accord. Y a la spawn protection, ouais. Alors, ouais, attends, ouais, s'éloigne ouais, un peu. Et bah... Ah là, tu vois, je suis juste dans le village en train de récupérer 2-3 trucs. C'est quoi ça? Une sorte de scie qui tourne là? Si, ah, si, c'est un tailleur cutter. De pierre. Ouais, c'est le tailleur de pierre. Je le laisse dans le village ou. Ouais, tu peux le prendre. Ou je le prends. Du coup, si vous le voyez, je mets 5 planches de chêne en hauteur, comme ça c'est notre petit point de ralliement. En bas, ouais, il y aura un petit coffre et un petit établi. Normalement, okay, j'espère, Cardian, que tu vas pouvoir ouais, y toucher. Ça... Tu me bah, diras. Écoute, on verra. C'est où? C'est au spawn, hein. C'est près du spawn, dans la neige, juste à l'entrée de la neige, tu verras. Ok, ça marche. Vas-y, bah, j'arrive là, c'est bon, j'ai voilà, tout ce qu'il faut du coup. Et comme ça, bah non, il faut que je me fasse un petit truc de pierre. Est-ce que t'as un four à Sfax? Pas encore, mais je peux okay, en faire un. J'en pose un juste à côté. Allez, yes, soyons fous. Fourneau. Bon, j'arrive du coup. Voilà. On a de quoi se faire pas mal de bouffe, j'ai 20 bottes de foin là. Ah bah c'est nickel ça, ça nous fera c'est un peu de on pain. Peut faire quoi? Ah bah c'est 3, bon, 1... il y a de la viande et tout. Hein. Pas mal de trucs à cuire, hop. On peut faire combien? C'est 3 pains par... 3 pains. Non, tu ouais, fais un pain avec 3 blés. Ouais, d'accord, ouais, et puis il y en a 9 du coup. Dans... Ouais, donc 3 pains par boîte, exactement. Ok, bon, on peut se faire quasiment un stack de pain du coup. C'est vrai? Ah oui, ok. Nickel. Voilà. Parce que là, la faim. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait? On pose les lits ou pas? Après, gardons un peu les foins pour les animaux et tout. Genre, fais pas ouais, tout en pain. Et ouais, Cardian, tu peux poser les lits à côté. Bah, c'est ce que j'ai fait. Même si de toute façon, ça m'étonnerait que l'autre équipe dorme en même temps que nous, ce serait vraiment une chance. Il y a des bouffes dans le... par contre, tu vas faire une... Voilà. Ouais, bah du coup, bon, on va peut-être aller s'enterrer du coup. Bon, moi, je vais continuer de creuser dans les mines, comme ça, je vais être tranquille. Je yep, prends un peu de bouffe parce que j'ai vachement faim. Vas-y. Hein. Si je mange ma pomme, ça me donne combien? Tac. Plus 2, c'est pas mal. Je vais faire une petite épée en pierre au cas où il y a des mobs. Tiens, et tout. Je vous remets de la pierre. Moi, je vais me faire tiens, une pioche en pierre. Tiens, du coup, juste petite précision. On est bien en hard, on est d'accord? Ouais, ouais, on est en hard, ouais. D'accord. Ok, ouais, donc les mobs, ils vont taper sévère. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ouais, ça, je me pas cache. Flanou, dodo. Oui. Ok. Mais ah bah. Quoi? Attendez, ça je viens non, dormir. Mais... Je viens dormir. Faites dodo, ils disent. Ok, bon bah si c'est leur choix. Oh, elle est cool notre mini base. Ouais. Vraiment, je suis pas avec eux. Hein. Parce que déjà le start j'avais fait avec Tantos et Miro. Ils dorment ou pas là? Voilà. Ah, on a réussi, excellent. Nickel. Bon voilà, bah du coup je retombe bûcher mon arbre qui est en train de flotter là. Va bûcher ton arbre flottant. Je vais aller récupérer un alors, peu d'XP moi. Ouais, il y a pas mal de monstres. Hein. Je vais voir si je peux récupérer les lits. Bon, je les attaque avec une pioche en pierre, mais c'est mieux que rien. Oh, il a une épée, ce petit zombie.
Ah, il me l'a pas drop. Combien est-ce que j'en prends du bois? On en a besoin de beaucoup ou pas? Bon, je sais pas, 2-3 stacks, je dirais. Ou alors un stack de chaque pour commencer, je pense. On va pas se faire une énorme base, mais déjà, ouais. Un bon point de repère comme on a fait, mais un peu plus protégé pour les monstres, quoi. Ok, ok, ça marche, vas-y. Ouais, du coup, si je ramasse un stack de chaque, on aura peut-être même de quoi sur une petite maison. Voilà. Les Enderman, tu sais c'est quoi leur problème? Ils font que se TP en ce moment. Attends. J'arrive pas à les tuer. Ouais, c'est vrai que maintenant, quand tu fais clic droit sur une bûche, ça t'enlève l'écorce. Oui. Ouais, ma gâche. Qualité supérieure, c'est quoi ça? C'est le fer, la qualité supérieure? Ouais. Oh, ouais, il me semble que ouais. Ils qu'est-ce ont déjà dû faire du coup. Qu'est-ce qu'ils sont forts? Moi, j'y suis, hein. Je suis en train d'essayer d'en trouver, mais. Dark Game, c'est pas grave, pareil. Hein. Mais non, bien sûr. J'entends un lapin qui est mort à côté de moi là. T'entends un lapin qui est mort? Ouais, ouais, enfin tu m'as compris. Ouais. C'est son fantôme. Ouais, c'est ça, il me parle. Un creeper ici. Bon, si je meurs, c'est tout à fait normal. Ok, très bien. Bah, de toute façon, t'as dormi dans le lit, donc c'est bon. Bah, de toute façon, après, même le point de spawn, il est à côté. Oui, c'est vrai. On n'allait pas être trop voilà. Perdu. J'ai affronté les squelettes fantômes là. Du coup, j'ai deux flèches de slot. J'ai pas mal d'os aussi. J'ai eu 5 os. Ça les y squelettes fantômes. Ouais, c'est quoi ça? Ouais. J'ai dû faire. Comme ah, cool. Attends, c'est un nouveau mob qui a été rajouté, un squelette fantôme ou c'est un squelette avec non, un effet de potion d'invisibilité? C'est un truc comme ça. En fait, ça apparaît dans les biomes des neiges. C'est des squelettes un peu fantomatiques. Ah ouais? Et en fait, ils ont des flèches. Ah ouais, c'est ça. Les flèches slanées. Je savais même pas. Ah bah, je voyais à quoi ça ressemblait, mais pour le coup... Ouais. Je vais faire des petits champs. Parce que les fantômes, j'avais pas fait gaffe. Je vais jamais dans les biomes de neige, je suis jamais attiré par la neige. C'est vrai que c'est Noël, faudrait aller un peu plus dans ouais, la neige. Ouais, on est pas loin en plus. Attends, c'est quoi ça? Il y a un renard, c'est un renard. Ah, un allez, renard. Flanou est super contente. Oui. J'ai failli lui mettre un coup d'épée à ton renard. Non, tu ne sais pas. Oh, il est trop mignon. Un renard polaire. En plus, j'en ai pas eu dans Primaria V1 parce qu'ils étaient grave loin, donc j'en ai vu. Mais ah, c'est un renard polaire que t'as? Oui. Oh, excellent. Attends, c'est moi mais ou il s'est tapé qui a un fait saut les poules là et les lapins en fait. C'est qui tue les lapins et les poules, les renards. Ah, c'est pour ça qu'on a entendu un lapin mort. D'accord. Moi, je vais faire des champs où il y a le petit. Je me fais un petit fourneau. Ah, Du coup, je l'avais pas vu le renard. Par contre, là, il est en train de se barrer de son biome. Il est quasiment vers le village. Ouais, c'est pas grave. J'ai pas de charbon, c'est bizarre ça. Trouvez-moi du charbon. Après, si tu trouves pas de charbon au début, si tu veux te faire quelques torches, j'ai pas mal de bûches, je peux faire du charbon de bois. Hein. Ouais, mais t'inquiète, j'essaie de descendre couche 11, alors je vais finir par en trouver. Je suis couche 47, hein, j'ai pas fini moi. Et du coup, vous les minez comment au petit? C'est mieux pour trouver du diams, non? Oh, ouais. Bah tu sais, moi je vais couche 11 et je vais toujours tout droit, et à la fin, je finis toujours par en trouver. Hein. Ouais, ouais. Ouais, on mine au petit du coup. Voilà. Je prépare des petits champs à côté de... Ça marche. Je remonte, vas-y. Je vous ramène plein de pierres si vous avez besoin. Et j'en... Bah, comment j'ai fait ça, moi? J'ai super mal creusé, moi. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Hop. Alors, bon, du coup, j'ai 52 bûches de spruce. Hein? Je pense que ça va suffire. Hein. Oh, on manquera pas de bois. Non. Voilà, c'est bon. Je remonte. Tu fais quoi, là, Flanou? C'est pour l'agriculture? Ouais. Excellent. Très. Je sais pas, ils se sont mis où, Tantos, Mirolam, etc., Darking? Je sais pas du tout. Moi, je les ai croisés tout à l'heure. Je les ai croisés tout à l'heure, ils étaient au village, donc... Où est-ce qu'ils sont partis, après, je sais pas. Je sais juste que j'ai enfermé Miro dans une maison, là. J'ai fermé la porte, j'ai bloqué la porte avec des bûches. Parce que à la fin, il faudrait qu'on fasse un village assez proche, faut pas qu'il soit trop loin non plus. Ouais. Ils sont sauvés, c'est les gars associables, quoi. Alors. J'ai des blocs invisibles, je découvre. L'âge de fer, bonne pioche, excellent ça. C'est bizarre, j'ai des trucs qui me poussent, genre. On est au village encore, ok, ça marche. Ils sont pas si loin alors. Ah bah tiens, ici, c'est... je peux pas casser les armes. Bon, je pense que du coup, niveau bois, ça peut suffire ce que j'ai. Ah, tac. Super, j'ai plein de fer, c'est cool. Il y a de la boue dans le on va pouvoir commencer à se faire. Ouais, nickel. Yep, il va falloir que je commence à me nourrir, moi, un peu. Il y en a dans le coffre et il y en a dans le four aussi. Après, il y aura encore 5 filets à cuire. Hop là. Oh, niveau pomme, on est pas mal, hein.
À 13 déjà. Des pommes. Ouais. Oh, vache, pas mal, ouais. Ah, j'en ai récupéré pas mal, tu sais, dans les coffres du village. Ah ouais, d'accord. Il y a Tantos, là. Eh, hey, j'ai trouvé un mineshaft. Ah, oh, nice. Ah, c'est parfait, ça. Et juste... Enfin, je suppose, parce que j'ai du bois. Oh, oui, excellent. GG. Trop bien, c'est ça. Nice. Je crois que je vais venir un peu avec toi. En bas. Ouais, bah viens. Suffit de suivre, de descendre la mine. Il y a l'entrée, puis après, tu arriveras forcément au mineshaft, quoi. Je vais quand même prévenir les autres aussi, s'ils veulent venir voir. Ou pas. Bon, je fais un peu plus de coffres, hein, parce que du coup, là, le premier coffre, il est déjà plein. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Là, j'ai mis le poulet à cuire. Alors... Hop, je vais peut-être prendre de la bouffe pour un spike. Voilà. Je sais pas comment on écrit mineshaft. C'est un mouton rose, le ami. Mineshaft, non. 211, ouais. 30... Est-ce qu'il y a besoin d'encore quelque chose à la surface, en vrai? Parce que du coup, là, je pense aller me balader un petit peu, genre pour aller chasser un coup, ou voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Sauf que mineshaft... Oh, il y a un spawner à araignée bleu, ah, là-bas. Cool. Tu peux l'éclairer. Ah, je peux l'éclairer, j'ai pas de torche. C'est bien embêtant. Vas-y. Ah, charbon. Charbon et fer, excellent. Faut pas que je parte sans bouffe, moi, sinon je sens que je vais vite. Ouais, bah sinon l'aller-retour est vite fait, quoi. Oh, parce... Ouais, non, mais juste là je vais décaler un petit peu histoire de voir ce qu'il y a aux alentours. Ouais. Hop là, 15 pinces. Alors, la mine. À chaque fois tu fais des trucs en bois comme ça, là. C'est juste pour faire un repère. Je sais que c'est moche, mais au moins tu vois tout de suite où est la mine, t'es d'accord? Oui. Je vois rien, par contre, il fait hyper sombre. Ah. Des moutons ici. Bon, déjà aux alentours, y a pas trop grand chose. Il y a un biome neige qui est immense, par contre. Ouais. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, juste les biomes neige, je sais pas, je trouve ça dégueulasse, en fait. Bon, moi, je vais... Je sais pas, c'est blanc, c'est... Enfin... Ah oui, c'est souvent blanc, la neige, c'est vrai. C'est, bien vu. C'est ça, ce que j'étais en train de me dire, tu vois. C'est bien vu, ce que tu dis. Tiens, tu veux manger j'ai des steaks. Moi, j'ai 3 steaks sur moi, Flanou, mais c'est gentil. Plus j'ai 2 steaks, plus je me porte. Je viens de trouver un endroit qui est ultra sympa. T'as quoi? Je viens de trouver un endroit qui est ultra sympa. En fait, ça te fait une sorte de petit lac, une rivière qui passe. Ouais. Un petit endroit plat et qui est bordé sur 3 côtés sur 4. C'est une sorte de petite falaise, en fait. Ouais, pas mal. Il y a une faille à côté. Donc, déjà une grotte et tout. Il y a le mineshaft dedans, il y a du fer là. Hop. Ah, franchement, pas mal. Voilà. Petit endroit là, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. Bon, du coup, je pense que je vais un peu abandonner le mineshaft pour l'instant. Je vais essayer d'aller un peu plus profond. T'as l'air d'avoir bien spawn dans le mineshaft, hein. De quoi? Oulala, les araignées pas. Ah. Par ah bah, il y a 3 pseudos là-bas en face. Je crois que je suis à côté de Mirolam et tout. J'ai déjà perdu de par où je suis arrivé. Oh non. GG. Et voilà, Flanou est morte. Un gros GG. Je me suis empoisonné, après je me suis fait défoncer par un squelette. Ouais, je vois. Attends, je te libère le squelette, puis tu pourras aller rechercher ton stuff. Ah non, mais n'importe quoi. Allez, un deuxième. Moi, je suis non. Dernier, je suis dernier survivant sur la liste. Oh non, c'est trop nul. J'arrive. Ouais, bon bah pareil. Attends, parce qu'en fait, mon stuff est devant le tien, faudrait que je le récupère avant, et après tu pourras récupérer le tien. Mais il y a toujours le squelette, j'ai pas réussi à le tuer. Oula, oui. Ah, mais oh là, il y a des gros bugs de micro. Non, c'est pas ça. Tu sais comme elle est en push to talk. Ah ouais. Ce genre de... J'ai entendu. Ah oui, voilà. C'est exactement ça. Et t'as moyen d'en faire une soundboard de ça. Ouais. Alors attends, c'est quoi ton stuff? Bah, tout Discord, ce que t'as ramassé, bon, c'est mon stuff. Et puis toi, tu l'as là-bas, à mon avis. Non? Ah oui, mais t'en as du charbon, hein, ça. Bah, bien sûr. Bah oui, au final, j'ai quand même réussi à en récupérer. Alors, merci okay, beaucoup. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. C'est très le gentil. Mien, il est où? Bah, juste au fond, tu vois. Nice. Bon, et du coup, je sais par où je suis arrivé maintenant. Donc, ça, c'est bien. Quelle galère. Juste que je retrouve encore. Oh, on s'est fait tuer dès le début. Je suis en train de galérer à descendre dans la faille, moi. Je crois que je te l'ai donné à toi, l'épée. T'as une épée en quoi, toi? Ah oui, tiens. J'en ai pas. C'est une épée en pierre que t'avais, hein? Ouais. Tiens, je te la lance. Voilà. Je vous jure, il y a tellement de fer là où je suis, vous allez me voir revenir, je vais être full fer. Vous avez pas compris. Ah, chouette. Ouais. Eh, Flanou, c'est bah, où mieux, sinon, c'est dégueulasse. Elle est où la sortie, tu sais ou pas, toi? Ouais, attends, je te montre. Pour moi, elle était par là. Non, après, c'est pas par là. Tu vois, des torches. On se perd vite, hein. Je sais pas de par où je suis arrivé. Attends, si c'est par là,
Ouais. Et c'est là. Ah, attends, je vois ton pseudo où? Ouais, ok, je te vois là. Je vais éclairer le palier. Ici, ah, ici. Merci, c'est gentil. Ici, là. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Bon, du coup, j'ai 23 fers qui sont à cuire là. Ouais, bah nickel. On a du fil, j'ai un gros mineshaft. Ouais, du fil, on a pas mal. En vrai, je suis en train de me dire, si on peut pas s'enchanter tout de suite, je sais pas pour X ou Y raison, faudrait du coup avec le fil peut-être faire des cannes à pêche en vrai. Ouais, ce serait pas mal ça. Déjà rien que pour la bouffe, l'XP, ouais. Les livres enchantes, etc. Bah, je prends le charbon, je prends un peu de fer et puis je remonte. Ouais, moi aussi je vais remonter. Je vais faire les cannes, j'ai 7 fils. On est couche 29, donc pour les prochains épisodes, il y aura pas trop long pour aller couche 11 et essayer le diamant. Yep. Putain, il y a un max de fer, c'est insane. Ouais, j'en ai des araignées en bas. D'âge alors, tac. Oh, ah, mince. Un squelette. Il fait nuit. Non, mais là, c'était un puissant parce qu'il avait une épée, le squelette qu'on a affronté. Ouais, ça fait tellement bizarre de jouer sans les shaders. Ah, moi, je joue jamais, j'en ai jamais mis encore. Ah franchement ça augmente Ouais ça doit être plus beau. Enfin, ouais. Ouais franchement c'est stylé c'est. Après c'est mieux en extérieur quoi. Bah d'ailleurs la dernière fois enfin quand on était en réu là, enfin fin de réu tu sais pour organiser Primaria V2, on avait parlé genre tout ce qui était RTX et tout. Ouais. Ray tracing. Ouais. Et ouais, enfin shader c'est beaucoup plus stylé, c'est beaucoup plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, le ray tracing c'est chelou. Enfin... Un peu là. Du coup, vu qu'il fait nuit, je commence un peu la construction de la baraque. Ok. Enfin, de la première petite base, après. Suite up. Ça y est, je commence à me stuff. Un corps d'acier. Ah ouais, t'as le jeu en anglais, toi. Ouais, yep. Moi aussi. Oh là là, vous êtes trop bilingue. Ouais. Absolument pas. Alors là, si tu savais comment je parle anglais. Et après, pour l'enlever, ça fait bizarre, quoi. Bon, notre première petite base, je la fais vraiment toute petite pour économiser du bois. Hein. Okay. Vas-y, vas-y. Si ça vous dérange pas, évidemment. Non, pas de problème. Ok, hein. Ça c'est bien. Mais non, si je fais une base, c'est pas pour que Monsieur Zombie vienne dedans. Ah, oh, elle est sympa, votre base. Félicitations. Voilà. Tu lui fais payer le loyer, au pire. Ah oui. Alors, ça c'est bon. Qu'est-ce que tu nous as... Mais il y a plein de bois. C'est... Ah, t'as du bois de boulot ou pas? Ah oui, il y en a un petit peu. Ouais, moi je suis très bois de boulot, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime pas. Vous aimez pas? Bon, ouais, je vais faire bois de chêne alors. Moi je suis bois de sapin, j'en mets partout. Ouais, je sais, mais après ça fait trop sombre, faut faire un peu de changement. Ou alors je fais le contour des vitres on va faire un truc de genre contour des vitres comme ça. Clac, clac. Purée, clac. Je me suis encore fait empoisonner. Ah, moi là, je suis juste tombé sur un squelette dans la mine. Dans le main shaft. Je vais crever de poison. C'est triste. Bon, du coup, moi je pense que mon fer il a terminé de cuire. Du coup, je vais pouvoir me stuff et puis je vais partir à l'assaut du main shaft. Donc en vrai, je sais pas si vous me reverrez à la base tout de suite. Là, je vais miner un peu. Ça marche, fais ce que tu veux. Moi, je fais la petite bazounette. Vas-y. Pas super joli pour l'instant, évidemment, mais c'est le début, hein, on va pas faire... Il y aura le temps. Premier épisode, un truc génial. Je fais un truc bien quand même. Voilà. Il y aura le temps de faire des trucs vachement stylés. Cool. Je sais pas ce que vous comptez faire, du coup, durant cette saison. Moi, personnellement, j'ai plutôt pensé à des... À tout ce qui était farm, tu sais, pour le farm de masse, de ressources de mobs, etc. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas fait trop dans la première saison, tout ça. Moi, il faut que j'arrive à me refaire, mais vraiment beaucoup plus grosse maison. Pour l'instant, j'ai toujours fait des maisons assez soft, tout ça. J'aimerais bien faire agrandir de plus en plus pour faire un gros truc, quoi. Ouais. Mais je verrai au fur et à mesure. Hop, ça c'est bon. Moi, je verrais bien, genre, un grand manoir. Ouais, tu vois, moi je pensais à un hôtel, tout ça, si un jour il y a des abonnés qui viennent visiter, tout ça, ça leur fera un petit hôtel ou des trucs de ce genre. Je te coupe juste 2 secondes, mais regardez dans le chat. Ah, Darcy, il y a des diamants. Mince. Ça, c'est beau. Et tryhard, c'est des gros tryharders. À mon avis, ils ont dû trouver un filon, puis pour essayer de nous mettre le seum, ils ont chacun cassé un. Non, je suis sûr que c'est ça la probabilité qu'ils trouvent. Bah oui, ils ont pas tous trouvé. Hein. Voilà, nickel, ça c'est bon. Bon, bah du coup, ça y est, je suis full fer moi, tranquille. Parfait. Bah par contre, j'ai cassé mon four, j'aurais pas dû, je vais en profiter, je vais me faire une pioche. Enfin, une hache en fer.
Il y a une armée devant la maison, mais il y a trois squelettes, trois creepers. C'est une catastrophe. Ah mince, est-ce qu'on peut fermer la porte s'il vous plaît ? Non, mais n'importe quoi. Bon, du coup, j'ai de quoi faire pousser des melons. Ok. Bon, bah, melon, moi, je vais que mourir. Non, mais l'armée qui est devant chez nous, c'est une catastrophe. Là, je sais plus quoi faire. Laissez-moi survivre. Ok, je vais me cacher dans la mine en attendant. Mais quand est-ce qu'il fait jour ? Il fait nuit depuis au moins 2 heures, là. C'est catastrophique. C'est vrai, j'ai l'impression que la nuit, elle passe. Ouais, c'est long, hein, dis donc. Voilà, je suis caché. Voilà. Je sais pas, parce que tu sais, on a commencé le jour, je sais pas, j'ai l'impression que ça a duré quoi, 2 minutes. T'as récupéré ton stuff ? J'ai récupéré une partie de mon stuff, le reste c'est dans la maison, donc c'est pas grave, c'est pas perdu. Je vais faire une épée en fer, parce que là ça commence à être craignos un peu. La mine, il y a un petit peu des trous quand même. Et oh, si tu dis si elle est mal faite. Oh là, hein, y a du monde. Je te vois, il y a beaucoup de monde. Il m'a fait flipper celui-là. Je suis nané avec un creeper dans un mineshaft là, je suis en train de le fight dans un angle, ça c'est chaud. Voilà. Ah bah tiens, j'ai une pomme d'or. Ah. Alors, bon. Est-ce qu'il commence à faire jour, Flanny, là ? Parce que... Non, il fait nuit, je cours. Non mais ce monde ! Ah, ça y est ! Le jour arrive ! Bah, ouais, s'il arrive... J'ai mis de la lumière un peu. Ouais, bah c'est vachement efficace. Bah ça a déjà spawn, hein ? Ouais, c'est vrai. Bon, allez, cramez tous. Faut courir en rond. Je vais perdre dans Minecraft. Je vois ce que tu veux dire pour les squelettes fantômes. Okay. Ah oui, t'en as vu. Pourquoi j'ai un petit boulet d'affiché ? Je suis plus lourd, je me suis pris une... Ouais, t'as la lanterne, tu t'es pris une flèche du mec. Ouais, ok. Ouais. Il y a un creeper qui a pété, mais toute la baraque Attends, je... Non, mais c'est insupportable, ça. Petite question un peu conne, à mon avis, mais t'as mis une porte à la maison ou pas ? Non, dis donc. Il y a même pas de fenêtre. Hé, hey, commence pas à être désobligeant dès le début, là. Hein, d'abord, la construction. Dans la maison. D'abord, la construction. Pas, après, tu te plains qu'il y a des squatteurs et tout dedans. Oui, mais on peut pas tout faire. Oh là 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 là. Bon, bah, je vais mettre une porte, puisque monsieur veut une porte. On va mettre des portes. Bah oui. Une porte en sapin, comme ça, Flanny sera contente. Voilà, bon. Moi je vais retourner chasser. Ah non, bon, bah du coup, ça y est, moi je suis descendu couche 11. Là, je commence à partir en mine opti. Je suis full fer. Le mineshaft, j'ai arrêté d'explorer parce qu'il n'y a pas trop grand chose à l'intérieur. Voilà. Puis bah, du coup, let's go. C'est plus intéressant les mineshafts couche diamant parce que du coup, ça te dégage les murs. Bien sûr. Bon, je finis mes embêtements là. Ouais, c'est pas mal ton histoire de fenêtre, ok. Des vitres, c'est plus joli, mais ok, j'accepte. J'accepte. Tu veux du sapin ? Tiens, attends. Ouais, mais en fait, si je te donne du sapin, on n'a plus de toit. Alors, tu te débrouilles. Ah, attends, je vais chercher. Tu te débrouilles. Mais fais en planche, le toit. Ça, hein ? Ça coûte moins cher en planche. Bah, je fais en planche. Non, en dalle, je veux dire. Ah oui, d'accord. Faisons des économies. Ok, très bien, j'accepte. Trappe en sapin, non, c'est pas ça. Dalle en sapin. Excellent, faisons des économies, voilà. Bon, j'ai bientôt un stack de fer pour vous. Je sais pas si vous êtes... Moi, je suis pas full fer, donc ce serait avec grand poil, plaisir. Ouais. Je suis à poil, j'ai un plastron, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Quand même, faut pas exagérer. Bon, vas-y, tu sais quoi, attends, je vais arriver, je vais venir voir la maison. La maison, c'est un grand mot. Je mettrai des volets après, si on a un sac. Ok. Mettons des volets. Voilà, ça va être beau. Voilà, c'est bon, j'ai mis le toit, j'arrive. Mais où sont mes portes ? Bah, ça y est, du coup, je me suis déjà perdu dans le mineshaft. Ah, je suis content. Ah, je me suis paumé là, mais je sais même plus par où je suis passé. Tu veux l'écho ? Ouais, vas-y, s'il te plaît. 160 moins 140. Oh, regarde la SFAC, c'est technologique, regarde. Regarde, tu vois. Puisque, ouais, vas-y, là, mon. Comme ça. Ah, magie. Comment t'es passé là-dedans, toi ? Ah, magie. Oh. Et les mobs, ils peuvent faire pareil ou pas ? Non, ils savent pas. Ils sont débiles. Ils savent pas, ils sont débilos. Bah écoute, tes fenêtres technologiques, bah c'est très moche. C'est très très moche. Mais non, c'est bien. Bon, ok, très bien. Ok. Bon, ah oui, j'ai les lits. Non, je vais mourir. Non. Sinon, je mets GG dans le chat. Hein. Hey, Flanou, t'as pas le troisième lit ? Ah si, chouette. Il est dans le Moi, je prends le lit jaune et je dors tout seul dans le coin.
Ah, j'ai failli mourir, mais d'une manière. Moi, j'étais un niveau... Mais pourquoi tu m'as mis avec. Ah, bah écoute, si tu veux reséparer, tu resépares. Hein. Moi, je dors au-dessus du coffre. Elle est cardio, Flanny, elle veut pas dormir avec toi. Ah, moi, c'est un lit superposé, regarde. Attends, parce que c'est chaud là. Il y a des araignées partout, je vais crever encore une fois. Non, 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 tu nous as déjà dit ça tout à l'heure, on t'a pas cru. Ouais, non, 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 mais par contre, en fait, tu. Eh bah voilà. Oh non, GG. GG. Par contre, comment dire que je me suis déjà paumé dans le mineshaft, alors pour retrouver mon stuff, ça va être une galère. Pas impossible. Eh, hey, bah, au moins tu peux visiter la maison, tu vois, rien n'est perdu. Bah, elle est stylée, la maison, du coup. Tu vois qu'elle est stylée. Oh, Tantos est mort aussi. Ah, juste avant, Tantos il dit GG et après, bam, il meurt. Non, de la laine. De la laine, non, j'ai pas trouvé de moutmout. Moi j'avais des moutons, mais je sais pas où ils sont passés, les coffres du début. Je sais pas. Et Cardian, j'attends toujours ton stack de fer pour me faire full fer. Hein, du coup. Bah oui, mais je suis mort avec. Du coup, attends, si j'ai récupéré ça. Elle est plutôt stylée, la maison. Ah, merci. Je vais mettre les volets, ça va être encore plus beau, regarde. C'est grâce à Valérie D'Amido. Je sais pas comment tu dois le prendre, Flanou. Waouh. Je crois que j'étais mort là-bas. Excellent. T'as vu avec les volets? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va être drôle. Bon. Pour la fin de l'épisode, je vais essayer d'aller espionner, voir un peu ce qu'ils ont fait. Oh, mais Tantos, encore une chute. Super. J'essaie de trouver des moutons. J'essaye de les trouver, voir ce qu'ils sont en train de construire, les gars. Comme ça, ça me permet de voir le village un peu. Bon, du coup, mon stuff. Je suis dans le main shaft, là. Ouais. Maintenant, où est-ce que je suis mort? Là, ouais, c'est la grande question. C'est clair. Oh, il y a un golem dans le village. Il y a un renard blanc, il y a des villages. Oh, faut pas le tuer, je m'en doute bien. Je peux tuer un golem. C'est lui qui tuera. Ouais, exactement. En plus, vu comment je suis équipé. Depuis quand il y a des mobs avec un effet d'invisibilité? En hard. J'ai trouvé quelqu'un, je vais le suivre. Je crois que c'est Tantos ou pas? Ou c'est moi que t'es en train de tuer? Ah non, c'est Flanou. Je suis en train de te suivre. Ah non. Elles sont mignonnes, les maisons, ici. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Bon, bah, je crois qu'on trouvera pas, les gars. Je serai obligé de regarder leurs vidéos. Mince. Je m'en fous, je regarde. Je regarderai pas la pub. GG bon. Encore. Hein. Je crois que Tantos, je sais pas ce qu'il fait, mais ça craint. Hein. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je voudrais juste retrouver mon stuff. Ok, je vais remonter. J'ai vu Tantos, vu qu'il est mort... Je l'ai vu, je le vois, donc je vais essayer de le suivre, voir s'ils ont fait une construction. Mais je vais essayer de le suivre discrètement. Attention, c'est parti pour le faufilage. C'est la merde. Il me reste un cœur. Un cœur, bah, c'est amplement suffisant. Pour retrouver mon stuff alors que je sais pas où il est, ouais. J'ai trouvé des moutons, Flanny. Si tu veux. Un mouton rose. Du coup, j'ai piqué de la laine aux villageois. Ah ouais, d'accord. Donc, coup, je vois ce que c'est, les squelettes fantomatiques, là. Il fait une bonne chasse, les... Slowness. Des trucs... Hauts. Ah, j'ai encore un œuf. Bon, en fait, il y a plein de moutons. C'est sur la... Si tu pars de la base, tu vois notre mine, tu vas sur la droite et il y a plein de moutons. Voilà. Il y a des moutons blancs, des moutons roses, des moutons marrons. Je savais pas qu'il y avait des moutons roses sauvages, d'ailleurs. Si, il y en a toutes les couleurs, il y en a juste qui sont beaucoup plus rares. Ok, très bien, parfait. Ce serait bien qu'on puisse faire des moutons multicolores. Ouais, tu peux avec. Tu renommes Jeb. Jeb. Mais vas-y, Flanny. Ah ouais. Mais ça retourne pas. Ouais, ça retourne c'est pas ça. Il est passé par la fenêtre. Au moins, il rentre pas par les fenêtres. En fait, le mouton change de couleur toutes les, je sais pas, 2-3 secondes en fait. Ouais. Il change tout le temps, puis après, si tu faut le couper au bon moment. Elle est jolie, la maison. Très belle, je suis très content. Okay. Très belle décoration. Je savais pas ça. Moi, je croyais qu'en fait, ça retournait juste le mouton, en fait. Ah non, il y en a un autre. C'est Disaster ou je sais pas quoi. Ça le retourne. Et il y a Jeb qui permet de le mettre en multicolore. Dinnerbone. Ouais, Dinnerbone. Ouais, voilà. Dinnerbone, ça le retourne. C'est ça. Jeb underscore, c'est pour faire multicolore. Ouais, exactement. Voilà, du coup, moi, je fais déjà 34 minutes de vidéo, donc on va arrêter ici pour le premier épisode. Au final, ce qu'il faut savoir, c'est que Cardian aura rien foutu de cet épisode. C'est totalement ça, vraiment totalement. Il aura tout récupéré pour tout perdre son stuff, GG à lui. Et puis, sinon, eh ben, on a fait la maison, avec, enfin la maison, la première petite base. Flanou est en train de faire la déco, elle commence déjà à être bien sympa, cette petite maison.
Et oui, très beau là, c'était magnifique, Flanou. Et donc, eh ben, prochain épisode, il va falloir continuer tout ça. Et puis, on essaiera évidemment de changer, de faire aussi des épisodes avec Darking, Miro, Tantos, et puis potentiellement d'autres youtubeurs qui pourront nous rejoindre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aller visiter les chaînes des autres joueurs de Primeria. Salut!